Quelle est votre morning routine, mes grosses saucisses, là? Je sais pas pourquoi je dis ça. Pour ceux qui ont séché les cours d'anglais au collège, quelle est votre routine matinale? Ce que vous faites le matin en vous réveillant, quoi? Non, parce que j'ai trouvé des vidéos de gens qui partagent leur morning routine. Vous allez voir, il y en a, c'est des malades! Parce que finalement, on pourrait croire qu'on fait tous la même chose le matin. Mais non! Par exemple, vous, monsieur, vous faites quoi en vous réveillant tous les matins? Oh, mais c'est très simple, tous les matins, je me... LeBron James. Bien violemment. Ah! Je suis naze, mais jamais de trucs dans les naseaux. Succulent en fait le taf comme s'il était maso. Tout a commencé parce que je scrollais vite fait sur YouTube, comme d'hab, du coucou les bails, et je suis tombé sur ça. Comment je me lève à 3h30 tous les matins? Combien? Alors attachez-vous les gars, parce que ce mec se lève à 3h du matin, tous les matins. Non mais sérieux, faut doser mon ref. Déjà, quand j'avais vu des mecs qui parlaient de 5h du mat, j'étais là, eh oh. Calme-toi, je vais t'en mettre une. Mais là, 3h du mat, autant pas dormir du tout. Imagine le temps que t'économiserais. Me lever si tôt me permet d'être frais et prêt à travailler. Ah bah ouais, t'as l'air frais et efficace, alors là, vraiment totalement réveillé le man. Ça va pas du tout, là. J'adore me lever le matin à 3h du matin. Comme vous pouvez le constater, je suis rempli d'énergie et mon esprit est vif. Et on enchaîne sur la douche. Bienvenue dans ma morning routine d'étudiant à Harvard. Ok, dès la première seconde, le mec fait comme s'il venait de se réveiller, mais il est déjà coiffé, il est torse nu, et en plus il fait semblant de s'étirer pour flex le biceps. Kowalski, analyse. Il semblerait que cet homme vit pour les caméras. Bingo! Ah vas-y, le mec comme ça, ça fout pas la haine un peu. Le mec est plutôt BG, on va pas se mytho, il est musclé, et en plus il est à Harvard, donc il est intelligent. Non mais, en économie on appelle ça de la concurrence déloyale. Comment tu veux que je fasse moi, hein? Monsieur, il semblerait que vous êtes plus grand que lui. Ah! Ah oui, enfin une victoire pour le FC succulent. Ensuite, ça part sur de la corde à sauter pendant 1h30. Pff, oh le menteur, menteur! Désolé de vous décevoir, mais on ne devient pas musclé comme un bœuf en faisant 1 heure de cardio tous les matins. Hein. Sinon, le meilleur coureur de marathon du monde ne ressemblerait pas à ça. Damn, petite veine du bibi! Par contre, en marathon, il est ultra chaud, c'est une moto le mec. Au moment de la douche, j'ai accidentellement fait tomber le shampoing. Vas-y, ramasse le savon. Je mets un peu de lait végétal, un tiers de cup de flocons d'avoine, ma scoop de protéines, plus de lait, un peu de poudre à la cannelle, du beurre de cacahuète, prends mes vitamines, donc du calcium et de la vitamine D. Non mais elle est en pleine prise de masse ou quoi? Par contre, sans déconner, comment elle fait pour cuisiner un truc avant d'aller au lycée? Sérieusement, énorme respect aux gens qui arrivent à faire ça. Moi, le réveil sonnait, 10 minutes plus tard, j'étais dans le bus. Le but, c'était de dormir le plus longtemps possible. En plus, avant la terminale, comme j'avais pas de portable, je me réveillais avec un réveil à l'ancienne. Mais laisse-moi dormir, Zimbé. Dommage que le voyage dans le temps ne soit pas encore inventé, parce que maintenant que j'ai la technologie, je me serais bien fait une petite alarme personnalisée, histoire que je me réveille bien déter pour la journée, là. Genre... Dommage que j'ai pas de meuf, j'aurais changé son réveil pour ça. Heureusement qu'il a pas de meuf.